Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Et ben écoute, moi ça va à merveille. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo réaction du clip 911 de l'artiste belge rappeur Damso d'origine congolaise bien évidemment. Et ben écoutez, le clip est déjà disponible depuis 3 jours déjà. Enfin si je ne m'abuse, depuis 3 jours. Et ben c'est que moi je pourrais dire d'emblée la réalisation, je vais m'apesantir sur ça, la réalisation du clip simplement, égal à lui-même Damso. Il a misé gros, j'ai envie de dire, hein, pour réaliser un clip, on va dire, hein, qui frise un tout petit peu le cinéma, qui marche de pair avec d'autres réalisations hollywoodiennes. Tout simplement, je vais vous balancer le making-of pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Personnellement, je me suis dit en regardant ces clips, Damso a misé autant d'argent pour la réalisation, j'ai envie de dire, hein, de ces fameux clips. Il n'y a rien, on va dire, tout est bon, tout est carré, comme il a l'habitude de les dire, tout est noir. Et ben 991, c'est une chanson tirée de l'album Calf de Damso, sorti en 2020 dernier carrément. Donc voilà family, et écoutez, allez visionner ces clips. Et ces clips au jour d'aujourd'hui cumule une affaire en 2 jours, on va dire, 1 300 000 et quelques poussières de vues sur YouTube. Et ben allez écouter la chanson. D'ailleurs, dans ces clips, Damso partage l'affiche avec une actrice de renom carrément, qui a joué également dans plein de films, on va dire, incarné plusieurs rôles possibles. Et ben je vais vous balancer le making of et vous verrez tout simplement cet artiste dont j'ai oublié le nom, mais je mentionnerai, on va dire, hein, son nom rapidement en vidéo. Et puis ce sera parfait. Donc voilà. Une caméra, and 3, 2, 1, go. Là-bas. Et eh ben ça sert d'exemple à beaucoup, alors à beaucoup d'artistes, le fait de réaliser un clip qui frise un peu le cinéma et qui remplit, on va dire, tout le code cinématographique, ça demande un budget énorme. Et eh ben la chanson corrobore un tout petit peu, hein, avec un film. On a l'impression à la première écoute, déjà à la première note, comme si un film débutait carrément. Donc chapeau bas à l'artiste rappeur Damso, c'est juste un truc de fou, un truc de fou. Ce sera bien de retrouver beaucoup plus, hein, d'artistes sur ces registres et nécessairement qui pourront élever les niveaux de par la réalisation de leurs clips pour lier l'utile à l'agréable, tout simplement. Et ben j'étais bluffé, je vous recommande cette chanson et je vous mettrai quelques, on va dire, extraits du clip. Mais allez regarder ces clips, likez, commentez, très très important pour l'artiste. Hey family, sur ces points on s'arrête là. Moi c'est Vima Wété, portez-vous bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, soit dans un prochain live. Prenez soin de vous et bonne année encore une fois 2021. Ciao.